Ça veut dire partir, allez. Ah, bon. Mais oui. Allez, allez. Quoi? À quelle heure le train? Ah, ça, excusez-moi, j'ai jamais pu comprendre le patois. Jamais, jamais. Je ne comprends pas. Si, non, non. Ça vous a échappé. Je ne veux pas parler pas ça. Et non, je vous ai dit à quelle heure le train, le chemin de fer. Ah. Oh, on la voit là. Oh, ça, sûrement, c'est elle, sûrement. C'est un taxi comme l'autre. Il tourne autour de Shakespeare comme l'autre. Il prend l'avenue de Messine comme l'autre. Il ne voit pas les numéros comme l'autre. Il s'arrête devant le 23 comme l'autre. Ah, 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 elle va descendre là tout de même. Elle ouvre la portière. Je vois déjà le bas de sa jupe. Oh merde, c'est un curé. Oh, j'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Avec qui? Ben, avec un Américain du Sud, parbleu. Comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Ben oui, il a un nom, cet homme-là. Ah ben, je crois bien, il en a même trois. Mais il s'appelle, c'est simple, il s'appelle... Comment? Mais attends, je ne l'ai pas encore dit. Il s'appelle tout bonnement Lopez Quita de la Nanane. Quoi? Ah ben c'est comme ça, moi j'y peux rien, hein. On m'a toujours dit qu'il fallait tirer le premier. Alors, n'hésitons pas. On est là! Mais monsieur! Eh bien cet ami loyal et dévoué va vous poser une question. Oui? Peut-il espérer de vous une réponse absolument précise? Oui. Bien. Eh bien, les yeux dans les yeux, je vous le demande. Et je vous supplie de me répondre. Oui. Voulez-vous du beurre sur le pain? Oh! Oui, peur. Et tu préférais renoncer à sortir avec lui ce soir plutôt que de m'infliger sa présence. Ah, ça, oui. Je fais passer les affaires après ton plaisir, je l'avoue. Tu es bien aimable. Et si ça t'embête que j'y aille seul, eh bien, je resterai tout tranquillement ce soir à la maison. Oh, mais j'en mourrai pas, tu sais. Je l'espère. Oh, mais alors, qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, je pense qu'il a dû, je pense, se mettre sur le balcon pendant une demi-heure, le temps de chipper un rhume, et puis alors, au bout d'une demi-heure, ou bien il s'est couché en disant avec l'accent du midi, ça y est, je suis cocu, oh. Ce qui est absolument inexact, n'est-ce pas? Ou bien alors, il a téléphoné tous les postes de police de Paris. Ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi parler aussi bas? Ah, je parle bas? Oui. Ah, je me suis pas rendu compte. Pardon. Je parle bas parce que je ne suis pas seul, là. Il n'y a pas que vous, comprenez? Écoutez, mon amour adoré, moi, je ne veux vous dire qu'un mot parce que ce mot-là, il me vient du cœur. Écoutez, alors, mademoiselle, écoutez pas, s'il vous plaît. Alors, chérie, écoutez, mademoiselle, écoutez pas, écoutez, n'écoutez pas, mademoiselle, je vous retire à la fin. Ah, écoutez ce qu'il dit, osez-vous. Oh, pardon, pardon.